Salut, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Là, on est en train de ramasser une route de patates douces, donc c'est quand même une belle réussite. Sauf que l'année prochaine, je pense que je vais les moins les serrer. Donc voici une butte. Voilà la butte qu'on a ramassée à peu près. Une butte de 8 mètres. Une butte sur 1, 2, 3, 4, 5. On a fait une butte sur 5. Sur 5 rangées de à peu près 8 mètres. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on a ramassé à peu près. Voilà, la Murat Saki, elle a bien donné. La Beauregard. Mais après, la Macatea, pas terrible. Et la patate des USA, pas terrible non plus. Mais bon, les deux plus belles, c'est. Je vais vous montrer en live. Voilà ce qu'on a ramassé. Voilà. Mais dans l'autre sens. Voilà. Voilà les belles petites patates. Ça, c'est une des plus grosses. Ça, c'est la Muratsaki. Celle-là, c'est une bonne petite variété, franchement, à conseiller. À l'intérieur, elle est blanche. Ça va être la Beauregard. Les grosses, des petites. Mais bon, on les a bien serrés. Mais bon, c'est suffisant. Et celle-là, c'est Made in USA. Donc, celle-là, pas terrible. Ça, c'est encore la Muratsaki. Et celle-là, je crois que c'est la Beauregard aussi. Beauregard. Hein. Et en fait, les racines se sont mises à l'endroit où j'avais mis les bouteilles d'eau. Donc l'année prochaine, je mettrai plus de bouteilles d'eau enterrées. Et j'arroserai à partir de août. Parce qu'à ce qui paraît qu'il faut arroser à partir du 1er août jusqu'au septembre. Que moi, j'arrosais tous les 3 jours au mois de septembre. Je pense qu'il était pas trop tard, mais elles auraient été plus grosses encore, ou il y en aurait eu de plus. Donc voilà. Je voulais vous montrer quand même les quantités qu'on a ramassées. Mais en moyenne, c'est à peu près 1 kilo par pied. Après, il y a des pieds, on a de plus, il y a des pieds, on a de moins. Il y a des pieds, vous avez qu'une grosse racine. Donc voilà. Donc là, je vous laisse parce que j'ai encore du taf. Je vais refaire mes plants de fraises. J'ai étalé du compost et je vais remettre. Je peux vous montrer en direct. Je suis en train de refaire mes fraisiers. Donc là, j'ai étalé à peu près une dizaine de brouettes de compost. Et là, je vais les mettre à plat par contre. Maintenant tous les ans on a des sécheresses, donc les fraises elles aiment pas trop, donc je vais les mettre à plat. Voilà, donc je vous referai peut-être encore une vidéo ou deux, plus peut-être plus les champignons, parce qu'en ce moment on voit aux champignons, donc on peut pas tout faire, mais les champignons ça dure pas, c'est pas comme les impôts. Voilà un conseil: si vous faites des patates douces, mettez de la potasse, ils adorent la potasse. La potasse et de l'eau, de la bonne nourriture. Alors voilà. Alors j'ai mis une variété par contre qui n'a pas donné. Je vais essayer les prochaines. C'est la Macateo. Voilà, ce que j'ai eu, c'est pas terrible. C'est plus ornemental. On n'a pas eu des grosses racines. Voilà les racines qu'on a eues. Après, je les ai mis peut-être un peu trop tard. Donc ça, c'est la Macateo. Bon, l'année prochaine, je réessayerai d'autres variétés. Que je vais trouver, parce qu'avec le Covid c'était compliqué, on n'a pas eu ce qu'on voulait. Mais là, moi je repars sur la Muratsaki, la Beauregard, et puis je vais essayer aussi encore celle-là, on verra. Peut-être un peu plus d'eau parce que les racines sont petites, on dirait une pomme de terre. On va les goûter, on verra bien, on verra bien. C'est peut-être plus de l'ornement, ça. Donc voilà, vous voyez la terre. Voilà, vous avez intérêt à bien creuser parce que les racines se mettent pas forcément au pied. On les a trouvées à côté des fois. Donc voilà. Salut les amis, portez-vous bien. Attention au coronavirus.